Je suis Irène Alvarez et je suis directrice des programmes au CREA Mont Blanc. C'est le centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude à Chamonix. Je tente de comprendre et j'expérimente comment rapprocher la science de la société, comprendre ce qui se joue dans les milieux naturels de montagne pour mieux penser nos stratégies d'adaptation au changement climatique. Et personnellement, je cherche à attirer l'attention en fait sur cette biodiversité de montagne, sur la place qu'elle a dans nos vies, dans nos territoires, sur le besoin de connaissance qu'on a de cette biodiversité. On a monté deux projets majeurs au CREA entre 2018 et 2020. Le projet CLIMB, qui veut dire grimper en anglais, comme les espèces qui montent de plus en plus haut en altitude, et le projet LAB. Donc dans ces projets, on a choisi un certain nombre de milieux naturels, la limite supérieure de la forêt, les mares d'altitude, ou encore les zones dont les glaciers se sont retirés. À ces suivis, on applique différentes méthodes scientifiques, que ce soit le satellite, les relevés de terrain, les appareils photo automatiques, ou encore la génétique, et puis bien sûr la science participative, puisque c'est une des marques de fabrique du CREA. Ça a été trois années très intenses et très riches, avec notamment des collaborations qui se sont développées. Et puis pour le reste, je vous invite en fait à parcourir notre gradient virtuel pour rencontrer ceux qui ont fait ces projets et qui ont plein de choses à vous raconter.